sommes toujours confinés dans la vieille histoire, la bondieuserie, la miséricorde de Dieu, et tout ira et Dieu fera quelque chose. Frère, c'est pas Dieu qui vit sur la terre, c'est toi qui vis ici. C'est toi. Et oui. La petite foi que nous avons même est en danger. Quand tout est en train de te dire que tu dois me regarder, alors que la pression de l'ennemi est là, qu'est-ce que tu vas faire? Tout ce que nous appelons le temps, c'est juste cette capacité-là à se réveiller pour trouver sa place dans ce que Dieu peut faire pour sauver sa vie. Ne pense pas que tu vas te lever de ta maison et faire une prière tchouin, et aller pour que tout s'ouvre pour toi. Non, ça n'existe plus. Chaque prière doit devenir un combat spirituel. Ouais. Chaque prière doit devenir un combat spirituel. Prier pour que Dieu me donne une femme, il faut savoir que c'est un combat spirituel. Prier pour que Dieu me donne un enfant, c'est un combat spirituel. Prier pour que Dieu te donne du travail, c'est un combat spirituel. Prier pour que Dieu te donne l'intelligence, c'est un combat spirituel. Prier pour décrocher un marché, c'est un combat spirituel. Puis pour réussir à un examen, c'est un combat spirituel. Prie pour éviter une maladie, c'est un combat spirituel. Prie pour manger chaque jour, c'est un combat spirituel. Prie pour vivre pour Dieu, prie pour que ta vie chrétienne marche, c'est un combat spirituel. La vie de sainteté, c'est un combat spirituel. Avoir la promotion dans ton service, c'est un combat spirituel. Combat. Le violent d'hier est devenu plus violent aujourd'hui. Le diable est aigri parce qu'il sait que son temps est peu. Il frappe. Il détruit partout. Il casse partout. Il n'est pas chrétien ou pas. Il est en colère. Il veut détruire plus. Il veut arrêter. Il veut arrêter. As-tu l'esprit de combat? Que Dieu nous aide.